10 ans, une décennie tout entière du renouveau de la fête du Vieux-Val. Et pour fêter dignement l'événement, l'association Le Pic à Bouic, les Pics à Bois en français, a décidé d'étaler les réjouissances sur 2 jours. Le samedi 27 juillet, tout a commencé par la kermesse des enfants. C'est pas bon pour moi, regarde. C'est pas bon du tout. C'est un peu bizarre. C'est la roue avec la grille ici. Et moi je suis un petit laboureur. 3, 6, 12 comme je suis. Et lui il est sur 2 niveaux. 3, 2, 6, 12. Allez, vas-y. C'est pas magnifique. C'est une roue un peu spéciale, d'accord. Puis, le soir, autour de la joyeuse buvette tenue par l'équipe au grand complet de l'association, des centaines de personnes, 1200 pour être plus précis, se sont retrouvées avec le groupe Family Song pour danser au son des meilleurs titres disco et rock juste avant un magnifique feu d'artifice. Deuxième journée, après la messe dominicale, les Avalas ont commencé le grand déballage du traditionnel vide-grenier, dont on dit qu'il est le plus important des stations de Tarentaise. Avoir des vêtements, des bibelots, des vieilleries qui débarrassent les greniers des uns en faisant le bonheur des autres. Voilà, on emballe les deux. Hop, c'est parti, on en parle. Parallèlement, on commence à s'agiter en haut de la station. C'est là que se prépare le défilé des chars, confectionné dans le plus grand secret, des jours, voire des semaines auparavant, par les Avalins. Ce défilé est le point d'orgue de la fête du Vieux-Val, car c'est lui qui donne la mesure du succès de l'édition de l'année. L'association veut faire de cette fête un moment d'engagement des Avalins afin de retrouver le bonheur de se réunir hors des conventions et du temps. Le nombre de chars est donc l'indicateur de la santé associative du village. Tu vois, les chars, ils se mettent tout doucement en place, donc ça se présente super bien. À une demi-heure du défilé, est-ce que tu sais combien il y aura de chars? Écoute, on n'a aucune idée, ça c'est toujours un peu la surprise, donc c'est ça qui fait le charme du défilé. Donc on attend un peu tout le monde, tu vois, ils arrivent... Là, il y a les jeeps qui arrivent de Bourg-Saint-Maurice, donc c'est super. C'est génial, ça déplace du monde et tout le monde s'est investi, donc c'est génial. Pourvu que ça dure. Merci.
Et quand les Avalins construisent des chars, ils ne font pas dans le faux semblant. C'est à leur image habituelle un véritable engagement. Le thème de cette année était libre pour tous. Seul le char de Picabouic devait rappeler les 10 ans de cette fête. Pour les autres, libre cours à leur imagination. Et ce fut un festival d'idées, de couleurs et d'amusement.
Welcome to the big show.
Un aller-retour dans la rue principale qui devait pour certains se terminer à l'ombre du bachal de la place centrale, histoire de prendre le frais et de vérifier que les montagnards savent nager. Après le délicieux repas de Diopolente, les remises de prix de char, les festivités folkloriques, les enfants n'attendaient qu'une seule chose, la bataille de confetti, la plus belle d'entre toutes les batailles, la plus grande, la plus généreuse, la plus rigolote, de celle qui laissera un souvenir définitif dans la mémoire de ses enfants. Pour clore la journée, les guides de montagne Ludovic et Cédric ont réalisé une démonstration de leur savoir-faire en escaladant le clocher de l'église. Ça paraît si facile quand on les voit qu'on se dit que c'est à la portée de tout le monde. Eh bien non, pas si facile que ça. La 10e fête du Vieux-Val laissera un souvenir heureux dans le collectif Avalin. Tout le monde se prépare pour une 11e édition qui se déroulera sur 2 jours avec la promesse de certains organismes de la station de se mettre au jeu de la confection des chars. Rendez-vous donc l'année prochaine avec un nouveau thème, le Far West.